Bonjour, je m'appelle Sybille. J'ai quitté la plupart de mes patients, là. Je me sens dans une très très bonne énergie. J'ai surtout envie d'écrire, en fait je suis obsédée par ça. Je crois que j'ai besoin que vous m'aidiez. J'ai arraché la place que j'ai sur ce tournage, je peux pas risquer de tout perdre, c'est impossible. Je suis enceinte de 2 mois, je peux pas le garder. J'ai tellement peur, je peux pas lui dire. C'est un comédien. Il est connu, je veux pas vous dire son nom. Tu liquides tous tes patients pour écrire, mais tu prends cette fille. On a tous un faible pour certains d'entre eux, non? Arrête d'écrire sur elle. J'écris pas sur elle. Cette fille m'obsède. Il te manque? L'intensité de l'amour qu'on avait l'un pour l'autre me manque, oui. Ah, il y a quelque chose que je vous ai pas dit, il est en couple avec la réalisatrice du film. Faut que vous le voyez, que vous veniez sur le tournage. Moi, j'arrive plus à réfléchir, j'arrive plus à me projeter. Non, c'est impossible, ça. Sometimes I feel... Why did you cast her if you knew that she was Lucy Gore? I figured it was just a petite histoire. Action! I would just have to sit back and watch reality destroy things. Contrôle-toi, s'il te plaît. Ne me parle pas. Parle à Sybille. Sybille, dites-lui qu'elle arrête de me faire mal volontairement. C'est pas possible. Ne soyez pas contre moi, par principe. Is that a joke? I'm done. Mika. Je me sens sale. Tu vois, il y a des gens, toute leur vie, ils sont très malheureux. Alors du coup, ils sont obligés de prendre plein de trucs pour oublier qu'ils sont en vie. Quand il leur reste de l'énergie, ils la consacrent essentiellement à pourrir la vie des autres.